à cause de la parole de Dieu, c'est-à-dire que quand quelqu'un se conforme, il veut mener sa vie par rapport à, conformément à la parole de Dieu. On l'a tué. Bien, vous verrez cela. Ça arrivera un jour. Pendant la grande tribulation. Pendant la grande tribulation. Bien aimé, dans ta vie, ne tue personne dans ta vie. Ne tue même pas des bébés. L'avortement. L'avortement. Attention. Ils vont à Dieu, ils vont crier là-bas. Oh Dieu, Dieu! Regarde, moi je dois avoir la vie. Je vais vivre, je dois vivre comme tout le monde. Mais cette maman-là m'a tué. C'est elle qui m'avait tué. Elle avait avorté la grossesse. Ta grossesse pendant que moi j'étais là-bas. Elle m'a tué. Bien aimé, ne sois pas un assassin. Ne tue jamais. Bien aimé, sauve ton âme aujourd'hui. Tu dois combattre pour ta vie. Tu dois dire non au mal. Tu dois dire non au péché. Il faut résister au diable. Il faut résister, la Bible dit résister, il fera le de vous. Résister, il fera. Résister au mal. Résister au péché. Et ça fuira. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la servante de Dieu, Bianca Ndombasi, chantre de l'Éternel. Je vous invite de vous abonner sur notre chaîne Fête des Disciples TV. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Vraiment bien-aimé, vous ne serez jamais déçu. Il y a de belles missions, il y a de prédications, vraiment, au équidifié biso. Vraiment, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez aussi le lien. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse et merci. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Parce que vous avez bien fait de venir ce jour pour écouter la parole de Dieu. Notre message du jour. Message de la vie à mon allélo. Les âmes sous l'autel de Dieu. C'est dans l'Apocalypse chapitre 6, du 9e au 17e verset. Les âmes au Canada, Apocalypse, des 6 à 9e verset. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Shalom, Église, Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus. Notre message sur Apocalypse. Message d'Abyssé Ezala Mokanda Apocalypse. Chapitre 6. Du 9e au 17e verset. Le 9e petit à 17e verset. Je crois que bien aimé, c'est la parole de Dieu. Et nous serons très attentifs pour le recevoir, pour la recevoir. C'est très important, bien aimé, parce que beaucoup de gens viennent à l'église. On est venu écouter la parole de Dieu. Il se laisse dans beaucoup de distractions. De fois, il n'est pas concentré. Alors la parole ne pénètre pas leur cœur. Ils ne retiennent rien. Parce qu'ils sont distraits. Par beaucoup de choses. Oui, la lecture s'il vous plaît. Apocalypse 6, 9 à 17. Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 17. Lecture s'il vous plaît. Lecture de quoi Zui Atangelibiso. Quand il ouvrit le cinquième sceau. Quand il ouvrit le cinquième sceau. Je vis. Sur l'autel de Dieu, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu.
Pénatine a témoignage au bamba tatolaki. C'est moi qu'ils avaient porté. Au bamba tatolaki. Verset 10, ils crièrent jusqu'à quand, maître saint et véritable. Tardes-tu à juger? À venger notre sang. En le faisant payer. Aux habitants de la terre. Une robe blanche. Robe blanche fit donner à chacun d'eux. Et pesamaki na moto mogo mogo na bango. Et il leur fit dire. Et balwaki na bango. De se tenir en repos. Baza la tango nyos na kimia. Quelque temps encore. Tango ezana no lesus. Jusqu'à ce qu'il fût complet. Tiki tango kokokisama. Le nombre de leurs compagnons. Jusqu'à ce qu'il fût complet. Leurs compagnons d'esclavage. Bandeko oyo bazalaki na bango na kati esclavagisme. Et leurs frères. Pe bandeko na bango. Qui allaient être tués comme eux. Oba bomama ki lokola pe bango. Voici ce que je vis. Tala ona monaki. Verset 12. Verset 12. Voici ce que je vis. Tala ona monaki. Quand il ouvrit le sixième sceau. Tanga fungo le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Ezalaki na tremblement de terre makasi. Il y eut un grand tremblement de terre. Ezalaki na tremblement de terre makasi. Le soleil devint noir. Sanza ekomaki mwindo. Comme un sac de grains. Lokola sac ya ba grains. Comme un sac de grains. Lokola sac ya ba grains ekomaki mwindo. La lune. Sanza. Devint du sang. Et comment qui m'a qui là? Verset 13. Les étoiles du ciel. Ben étoiles bien les colons. Tombèrent sur la terre. Et quoi y a qui les colons mettent tout là-bas? Comme lorsqu'un figuier. Lorsqu'la tango figuier mogo. Secoué par un grand vent. Et n'ingi sami na mo pepe. Laisse tomber ses figues. Et quoi y s'agaba figue nango? Le ciel se retira. Les colons ils sont à qui? Tel un livre. Lorsqu'la livre. Qu'on roule. Donc la livre bazo roulé. Et toutes les montagnes. Peba montagne nyonso. Et les îles. Peba île nyonso. Furent enlevées. Nyonso ebungisamaki. De leur place. Et longwa ki na bisika nango. Les rois de la terre. Ba roi ya mokili. Les dignitaires. Ba dignitaires mokili. Les chefs militaires. Ba chef ba soldats. Les riches. Ba to ya mbongo. Les puissants. Ba o bazama kasi. Tous. Ba ngobanso. Esclaves et hommes libres. Oh, bah ça qui est esclave, bah ça qui est libre. Allèrent se cacher sur les cavernes. Bah qu'est-ce que bon, maman, c'est la mabanga. Et dans les rochers des montagnes. Ben les colons et bah montagne. Et ils disaient aux montagnes. Ben bah le bas qui est la montagne. Ils disaient aux montagnes et aux rochers. Bah le bien la montagne, bah bah qu'est-ce que bon. Tombez sur nous. Cachez-nous de celui qui est assis sur le trône. Bomba biso na sia moto ya fadi likolo ya trône. Et de la colère de l'agneau. Voilà pour éviter colère à Nzambe. Car le grand jour de leur colère est arrivé. Pointe mokona bango ekokisami. Et qui pourrait tenir debout? Bwenani akoye kotelema. Alléluia. Amen. Bien aimé, suivez bien le message. La nanga balamu notea. La Bible dit ici, Bible le bien, hein? Quand il ouvrit le cinquième sceau, je crois qu'on avait vu la fois passée, le dimanche passé, on avait vu ça par la grâce de Dieu, on avait vu qu'au ciel là-bas, on cherchait. Qui pouvait ouvrir le livre? Ce livre, sous forme de rouleau. Livre est là qu'il faut qu'on rouleau. Ce livre là était un rouleau. Bible est là qu'il faut rouleau. Et ce livre là? Oui, livre là. Était cacheté. Et là qu'il va cacher la carte. Il y avait sept sceaux. Et là qu'il a sept sceaux la carte. Sept sceaux. Et qui peut ouvrir ça? Et là n'y a pas qu'on fume. Ce livre là qui pouvait ouvrir ça? Et ça livre. La Bible dit ni dans le ciel ni sur la terre. Bible bien dans le colombo ni sous la mer, ni dans la mabelle. Personne n'était digne d'ouvrir le livre. Et d'en rompre les sceaux. Jean commençait à pleurer. Mon dieu dit à Jean, ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui a vaincu.
L'agneau de Dieu, il est là. C'est lui qui ouvrira le livre. Alors, il vit un agneau qui était comme immolé. Il s'éleva. Il prit le livre, la main en droite de celui qui était assis. C'est celui qui était assis sur le trône. Et qu'est-ce qu'il fit? Il prit le livre et ouvrit, commence à ouvrir les seaux. Dans chaque seau, il y avait des châtiments de Dieu. Pour la terre. Pour les habitants de la terre. Parce qu'il fallait que Dieu frappe les habitants de la terre. C'était une manière de purifier la terre. C'était le temps de sa colère. Il commença à ouvrir le seau. Il a ouvert le premier seau. Le deuxième. Le troisième. Et le quatrième seau. Il arrive maintenant au cinquième saut. Je ne parlerai pas de tout. Il ouvre le cinquième saut. Il ouvre le cinquième saut. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean dit, quand il ouvrit le cinquième saut, j'ai vu sous l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, c'est quoi au juste? Donc c'était la table. Donc, c'était une table mais c'est à mon aile. Où on offrait des sacrifices. Sacrifice. Ça dit pour Dieu, les gens qu'on tue ici-bas. Donc, pour l'ensemble, les gens qu'on tue ici-bas. Pour la cause de l'évangile. Bon, tina, à cause de la bonne nouvelle de Dieu. Bon, tina, maman, ces gens-là qui seront tués ici-bas. Autant de la grande tribulation. Bah, au temps de la grande tribulation, ils iront sous l'autel de Dieu. Dès qu'on le tue, il est directement seul. Sous l'autel de Dieu. Bien-aimés, ils ont été tués pourquoi? À cause de la parole de Dieu. Et ils ont été tués à cause de leur témoignage. À cause de la parole de Dieu, c'est-à-dire que quand quelqu'un se conforme, il veut mener sa vie par rapport à conformément à la parole de Dieu. On l'a tué. Bien, vous verrez cela. Ça arrivera un jour. Pendant la grande tribulation. Pendant la grande tribulation. Même actuellement là, on tue les gens. Actuellement là. Certaines personnes détestent certains serviteurs de Dieu parce qu'ils prêchent la parole de Dieu. Parce qu'ils prêchent la parole de Dieu. La Bible dit, ne soyez pas surpris. C'est ça les mondes, c'est ça les gens du monde. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Et surtout quand quelqu'un se conforme à la parole de Dieu. Paul dit, si quelqu'un vivrait pieusement selon la parole de Dieu, il sera persécuté. Quand aujourd'hui tu décides, je vais donner ma vie à Jésus, tout le monde ne veut pas t'aimer. Il y a des gens qui vont t'haïr. À cause de ça. Parce que tu prêches la parole de Dieu. Parce que tu te conformes à la parole de Dieu. Ils se diront, qui est-il? Il se prend pour qui ce monsieur-là? Il se croit le plus saint. Tout ça, c'est leur manière de te persécuter, de t'haïr. Et en ce temps-là, pendant la grande tribulation, que le cinquième saut sera ouvert. Jean verra au cinquième saut. Sous la tête de Dieu, des âmes de ceux qui avaient été décapités, de ceux qui ont été égorgés. Immolé veut dire égorgés. Les gens qui ont été égorgés à cause de la parole de Dieu. Ça peut t'étonner. Comment est-ce que quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, on peut l'égorger? Il prêche la parole de Dieu. Comment est-ce que quand il rend témoignage, parce qu'il a rendu témoignage, qu'il est égorgé? Ne soyez pas étonnés, bien-aimés. Ne soyez pas étonnés que c'est le monde. Les gens du monde n'aiment pas la parole de Dieu.
Si vous avez aimé Jésus, si vous avez aimé la parole de Dieu, ils n'auraient pas tué Jésus. S'ils sont arrivés à tuer Jésus, cela prouve qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu. C'est comme toi aussi, tu crois en Jésus. Tu crois que les gens vont t'aimer. Ils ne vont pas t'aimer. Les gens qui ne sont pas de Dieu ne vont pas t'aimer. Ils vont te haïr. Quelqu'un a dit dans la parole de Dieu, ils m'ont haï sans cause. Quelqu'un a dit dans la parole de Dieu, ils m'ont haï sans cause. Sans cause, tu t'haïsses. Je ne l'aime pas, ce garçon-là. Je n'aime pas cette fille-là. Tu peux te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Amen. Ils étaient sous l'autel de Dieu. Tué, ils iront sous l'autel de Dieu. Tue les enfants de Dieu. Ils iront à Dieu. Tu peux tuer l'apôtre Paul, mais tu l'envoies à Dieu. Mais toi, ton sort sera quoi? Vous voyez, les gens du mon combat, pourquoi est-ce que tu tues les hommes de Dieu? Et lorsqu'il vit ces âmes-là, qui ont été tués à cause de la parole de Dieu et de leur témoignage, Jean le vit en train de crier. Après ça, lorsqu'il vit le vit, il commence à crier. Ces âmes-là, les âmes, quand je dis les âmes, je parle des hommes. Parce que âme veut dire quoi? Parce que l'homme à trois parties. Corps, âme, esprit. L'âme, le corps, c'est ce que nous voyons. L'âme, vous ne voyez pas ça. C'est la partie immatérielle de l'homme. C'est la partie immatérielle à moto. C'est l'être de l'homme, l'autre être. Être. C'est la personnalité de l'homme. Toi qui es là, qui me regarde. Normalement, tu es une âme. Que je ne vois pas. Mais toi, tu es une âme. Tu comprends? Tu es une âme. Alors, quand quelqu'un meurt, le corps retourne à la poussière. Comme le dit la Bible. Son âme, son esprit sort d'abord. Son esprit sort. L'esprit retourne à Dieu. Et son âme, en ce moment-là, sort pour aller au séjour des morts. Et qui est dans le séjour des morts. Selon ce que dit la Bible. Ecclésiastes chapitre 12, verset 9. Ecclésiastes 12, verset 9. Dit comme ça, quand quelqu'un meurt, son esprit retourne à Dieu qui l'avait donné. Parce qu'en homme, il y a l'esprit. Dieu, quand il souffla sur l'homme, c'est ça l'esprit de Dieu. Il souffla son souffle dans l'homme. Et l'homme devint une âme vivante. Comme être vivant. Corps, âme. Il y a dans l'homme, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Ça, je prêcherai ça un autre jour. Ça risque de nous prendre du temps. Oui, donc dans l'homme, il y a trois parties. Et l'âme, c'est l'homme lui-même. Tes désirs, c'est dans ton âme. Quand tu dis j'aime Dieu, je ne l'aime pas, c'est ton âme qui ne veut pas. Quand tu as soif du Dieu vivant, comme quelqu'un me le dit dans le psaume, il dit j'ai soif du Dieu très haut. C'est son âme qui a soif du Dieu tout puissant. C'est son âme qui avait besoin de Dieu. Et donc notre personnalité, c'est l'âme. Quand quelqu'un meurt aujourd'hui, c'est son âme qui ira au séjour des morts. Son corps retourne à la terre. Son esprit rentre à Dieu, retourne à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'avait donné. Et comprenez-moi bien, c'est l'âme qui sera jugée. Parce que c'est ça l'homme, la personnalité. C'est son être. C'est l'âme qui sera jugée au dernier jour. Alors bien-aimé dans le Seigneur, il vit les âmes. De ceux qui avaient été décapités. Il commencera à crier. La Bible dit qu'il criait au verset 10. Il criait. Parce que l'âme aussi parle.
Souvenez-vous du sang de d'Abel qui criait. Quand tu tues quelqu'un aujourd'hui, son âme crie. Son sang crie à Dieu. Et leurs âmes crient aussi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Maître saint, vrai, tardes-tu à juger et à venger notre sang? Il criait. Il ne pouvait pas crier avant. Parce que ce n'était pas encore le temps. Mais à ce moment-là, c'était le temps. Il criait. Mais quand tu tues les gens, sache que ces âmes-là qui sont allées, que tu as envoyé au séjour des morts, crient. Il arrive un moment, ils crieront à Dieu. Oh Dieu! Oh Nzambe! Et aussi crier. Oh Dieu! Jusqu'à quand? Nzambe, qui nous tient au nil? C'est comme aujourd'hui, si nous crions aussi, des fois. Par les choses que les gens du monde nous font. Des fois tu pries aussi, tu cries aussi. Oh Dieu! Oh Nzambe! Pourquoi tout ceci m'arrive-t-il? Pourquoi tu permets à ces gens-là de m'agresser ainsi? Où es-tu Dieu? Yo Nzambe! Et aussi crier. Dieu te dira, patience mon fils. Patience. Je sais ce que je fais. Il subira sa sanction. Je leur donne du temps. Qu'ils se répandent de mal qu'ils font. Qu'ils changent de conduite. Parce que moi, Dieu, je n'aime pas qu'un pécheur meure. Parce que si il meurt, il ira en enfer. C'est ce que je veux pas. Je n'aime pas qu'il meure, mais je veux qu'il change de vie. C'est quoi? Je suis patient. Dieu est patient. Il voit tous les mal qu'on te fait. Il voit ça. Il voit tous les combats que tu mènes. Comment est-ce que ces sorciers te combattent? Ils voient ça. Dieu regarde. Il s'est dit, ah, si je le tue dans sa sorcellerie là, il ira en enfer. Il faut que je lui donne du temps, qu'il se répande. Qu'il aille se repentir. C'est ça Dieu. Et alors, il aussi disait, oh Dieu, jusqu'à quand, Maître Saint? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand laisseras-tu ces gens-là qui nous ont tués impunis? Oh Dieu, punis-les! Il criait, il criait. Alléluia. Amen. Tout comme toi aussi, tu cries. Dans tes douleurs, tu cries. Mais Dieu te dit, mon fils, ma fille, je vois. Les mal qu'on te fait, je vois. Comment est-ce qu'on te maltraite par ton cousin? Je vois ça. Je vois comment est-ce que ta marâtre te fait souffrir. Je vois ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je les tue. Mais moi, j'ai besoin qu'il change de vie. Je lui donne du temps. Qu'il change. S'il ne change pas, ce moment-là, c'est trop tard. C'est ça notre Dieu bien-aimé. Jusqu'à quand? Maître Saint, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Sur les habitants de la terre, les gens qui nous ont tués. Jusqu'à quand? Il criait. Oh, jusqu'à quand? Ces âmes-là criaient. Bien-aimé, dans ta vie, ne tue personne dans ta vie. Ne tue même pas des bébés. L'avortement. Avortement. Attention. Ils vont à Dieu, ils vont crier là-bas. Oh Dieu, Dieu! Regarde, moi je dois avoir la vie. Je vais vivre, je dois vivre comme tout le monde. Mais cette maman-là m'a tué. C'est elle qui m'avait tué. Elle avait avorté la grossesse. Ta grossesse, pendant que moi j'étais là-bas, elle m'a tué. Bien-aimé, ne sois pas un assassin. Ne tue jamais. Ne tue jamais un bébé. Ne tue jamais, c'est un péché. Que de tuer quelqu'un et l'envoyer auprès de Dieu. Ouais, il crie, oh Dieu!
tire vengeance de nous. Ça là pour la mission vengeance. Parce que Dieu lui-même dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, ce que Dieu dit. Vous n'avez pas à vous venger vous-même. Dans vos souffrances, priez à Dieu. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Bien aimé, il faut faire très attention dans la vie. Sache que tout ce que tu fais, Dieu rattrapera un jour. Ils ont tué ces gens-là, je peux continuer? Je peux continuer. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur dit, il leur fit dit de se tenir en repos quelques temps encore. Jusqu'à ce que fût complet, les compagnons, leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui allaient être tués comme eux. La Bible dit une robe blanche fit donner à chacun d'eux. Chacune des âmes, on lui donna une robe blanche. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'une robe blanche, c'est un vêtement de vainqueur. Ça prouve sa sainteté. La pureté de sa vie. C'est-à-dire ils ont vaincu. Comme ils ont vaincu le monde. On leur donne des habits blancs. Une robe blanche. Et toi, c'est dans ces moments, tu dois sortir vainqueur. Si tu t'attends un jour à porter cet habit-là blanc, tu dois vivre déjà dans ces mondes-ci. Ta sainteté. Fuir le péché. Blanchir tout le temps ton habit. Blanchir tout le temps ta vie. En vivant dans la sainteté, des gens, ces gens-là, ils méritaient ces gens-là. Oui, ils méritaient. C'est parce qu'Apocalypse 3, verset 5 dit, c'est l'habit que Dieu, Jésus donnera aux vainqueurs. Apocalypse 3, verset 5, c'est ce qu'il dit. Apocalypse 3, verset 5. Qui donnera aux vainqueurs? Si tu es vainqueur, tu portes ça ta vie. Tu porteras cet habit si tu sors vainqueur. Oui, bien aimé. On leur donna cet habit-là une robe blanche. Tu me dirais, mais pourquoi une robe blanche? Pourquoi pas un pantalon blanc? Alléluia. Amen. Bien au ciel là-bas, il n'y aura pas de filles, de garçons, il n'y en aura pas. Au ciel, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de filles, de garçons. Jésus dit, nous serons comme des anges. D'ailleurs, le mariage ne sera pas là-bas. On leur donne des robes blanches. Il leur fit dit, tenez-vous un peu en repos. Reposez-vous un peu. Pourquoi vous devez vous reposer? Parce que vous n'êtes pas le seul. Il y a encore d'autres frères, vos compagnons d'œuvre, qui sont encore dans le monde. Ils seront tués comme vous. Ils devraient être immolés comme vous, égorgés comme vous. Alors bien aimé, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient seuls. Mais ils n'étaient pas seuls, il y avait d'autres compagnons encore d'œuvre dans le monde. Alléluia. Amen. Autant de la grande tribulation qui devait aussi être tué comme immolé comme eux. Attendez encore. Bien aimé. Il y a des gens qui attendent que les choses finissent. Que toi tu te convertisses. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Nous pouvons dire Jésus tarde à venir. Jésus vient vite. Yesu yagamba. Viens nous prendre. Yakozwabiso. Afin que là tu es, nous y soyons aussi. Et si qu'on y osale biso betozala. Mais il te dit, fais que je vienne. Si moi Jésus j'étais venu en 1980. Toi tu serais où? Toi tu serais où? Toi tu allais être où? Tu allais mourir, non? Tu sais peut-être là l'affaire. Si Jésus était venu avec toi, tu connais le Seigneur. Quel aurait été ton sort? Sort na yoni ngako zali. Voilà. Voyez sa patience. T'as la patience là. Tu dis non, je ne reviendrai pas aujourd'hui. Alors bien on va aller l'autre. Parce qu'il y a encore Antoine qui n'est pas converti. Bon, ils ont les sous sur Antoine et n'a pas mal monté. Il y a encore Jean.
Il y a Janine qui ne sont pas encore convertis. J'attends. Je les attends. Je leur accorde du temps. Qui j'ai à changer. Qu'il change de vie. Sinon, je viendrai. Comme un voleur dans la nuit. Ils seront surpris. Bien-aimé, change de vie aujourd'hui. Parce que nous parlons du retour de Jésus. Si Jésus revient aujourd'hui, toi tu seras avec lui. Toi tu seras avec lui. Ou bien si la mort venait te surprendre aujourd'hui. Tu iras où? Tu seras où? Parce que toi, tu t'en fous de la parole de Dieu. Tu te vautres dans la voie du péché. Bien-aimé, et au moins, souci de ta vie. Pense un peu à ton avenir, à l'éternité. Pour 2 ans, 20 ans dans ce monde-ci, tu veux connaître Dieu. Bien-aimé, tu vas aller et ton éternité alors. Tu le passeras où? En enfer. Enfer là-bas, c'est la souffrance. C'est terrible, bien-aimé. On les a passé. Change de vie aujourd'hui. Bon, voilà mon thème à l'élo. Si je veux pas changer, tant pis. Ce que l'ego, bon, voilà mon thème à terre. Alléluia. Amen. Je continue. Verset 14, il dit, verset 12. Voici ce que je vis. T'es là, voilà mon ami. Quand il ouvrit le sixième seau, il eut un grand tremblement de terre. Comme un sac de grain. Non, le soleil devint noir comme un sac de grain. Ah, moi, comme un sac de grain. Comme un sac de grain. Et la lune devint du sang. Et comme un maquila. Voilà. Ça, c'est le sixième saut. Il ouvre le sixième saut, il quitte le cinquième saut, il ouvre le sixième saut. Alléluia. Amen. Là, ce n'est pas encore la colère puissante de Dieu. La colère de Dieu s'abattra surtout lorsqu'on ouvrira le septième saut. Ah, colère en Zambé, ton canal en Zambé, qu'on quitte ma casse, ça m'occupe. Si Dieu veut bien dire. Cinquième saut. Voilà ce qu'il Zambé, les gars, t'as dit. Vous comprenez que je ne parle pas de tout. Vous comprenez, non, la nuit sauter. Je prends dans Zambé, chapitre 5, 6 versets, je commente, c'est tout. Le reste, vous allez lire à la maison. 5, 6 versets, de commenter, tout. Bien aimé, qu'est-ce qu'il vit lorsqu'on ouvre le sixième saut? Voyez, moi, il est dans le sixième saut. On ouvre le sixième saut. Bah, faut moi le sixième saut. Il y a eu un grand tremblement de terre. Père Moni, tremblement de terre dans mon kili. Un grand tremblement de terre. Grand tremblement de terre dans mon kili. La terre a été secouée. Boye mabele ningala qui m'a cassé. Alléluia. Amen. Et directement, je vois le ciel. Père Moni, balamona l'icolo. Devenir noir. Et comme mouindo. Le ciel devient noir. Moni moi, et comme mouindo. Et la lune. Devint du sang. Et comme il m'a le monde que tu vois bien aimé, un jour tu diras, je n'ai plus envie de vivre dans le monde. Les gens qui vivront en ce temps-là, pendant la grande tribulation, lors d'ouverture des seaux, ils ne trouveront plus le plaisir de vivre dans ce monde. C'est dire, même les gens qui ont investi, qui sont en train d'amasser. De l'or, de l'argent, des parcelles. Qui arrache aux gens leurs parcelles, des choses comme ça. Parce qu'ils se trouvent, moi, c'est le monde m'appartient. Je vais être grand dans ce monde. Oui, soyez grand, mais à ce jour-là, tu n'auras plus plaisir de ces choses-là. Parce que certaines de ces choses-là seront là pour t'accuser. Vont t'accuser. Parce que comment est-ce que tu les as lues? D'une manière malhonnête, tu n'auras plus plaisir de ça. Alors, le ciel deviendra noir. Ce ciel que tu vois un jour deviendra noir. Quand le ciel est noir, à ce moment, le monde sera comment? Dites-moi. Parce que s'il y a l'éclairage comme ça, c'est parce qu'il y a le soleil. Mais quand le soleil devient noir, qu'est-ce qui se passe? Mais tout devient noir, non? Donc tu ne verras plus rien. Et la lune se deviendra du sang. Du sang. Comment deviendra le monde? Ils sont malades.
Oui, c'est le monde que tu vis. Bien-aimé, tu as intérêt à te repentir. Tu as intérêt à croire au Seigneur Jésus, à venir à lui. À le recevoir dans ta vie. Dis à Jésus, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur, Sauveur. Entre dans ma vie, Seigneur. Bien-aimé, ce monde, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Je peux continuer quand même. Nous allons continuer quand même. Les étoiles. Les étoiles du ciel tombaient sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Les étoiles. Étoiles. Tombent du ciel. Et où mais les jours où les étoiles tomberont du ciel. Si toi tu es là, qu'est-ce qui se passera? C'est pourquoi je vous dis, crois au Seigneur Jésus afin que tu sois enlevé. Si tu rates l'enlèvement, c'est malheur à toi. Parce que c'est malin. Tu es là assis. Comme nous sommes assis ici. Si une étoile quitte du ciel et tombe sur la terre. Où ça tombe sur nous comme nous sommes ici. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Ça va se passer quoi? Comprenez vous-même. Voyez le monde que nous vivons. Le monde où nous vivons. Vous ne croyez pas tout ceci parce que ce n'est pas encore arrivé, mais ça arrivera. Ça arrivera. Parce que Dieu l'a dit. La parole de Dieu l'a dit. Bien aimé, c'est maintenant qu'il faut accepter le Saint-Jésus. Afin que tu sois hors de ces choses-là. Parce que lorsque ça arrivera, ça sera regrettable. Les étoiles tombent du ciel. Comprenez bien. Ça tombe du ciel. Comment est une étoile? Sa grandeur, dites-moi. C'est comment? Quand ça tombe, je ne sais pas si Ngingi va exister. Et les étoiles, pas une seule étoile, des étoiles vont tomber du ciel. Des étoiles, mais étoiles belles. C'est terrible, bien aimé. Ce n'est pas souhaitable, ces choses-là, d'être là. Je continue ma lecture. Les rois de la terre, les dignitaires, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous, esclaves et hommes libres, allèrent se cacher dans les rochers, dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Bien aimé, les riches, les pauvres, toutes sortes de personnes, toutes catégories confondues, allèrent se cacher dans les cavernes. Il cherche où je vais me cacher. Là-bas, il y a un trou. Je vais entrer là-bas. Là-bas, il se peut cacher. Sous les montagnes. Hein? Dans les rochers des montagnes. Ça, c'est un rocher. Il monte, ça, c'est un rocher. Entre les rochers, il entre. Il se cache là-bas. Pourquoi il se cache? Parce qu'il se dit, les étoiles vont tomber, tombent du ciel. Si les étoiles tombent, moi, c'est épargné parce que je me suis caché dans une caverne. Détrompé, vous bien aimé. Ça ne sera pas possible. Les étoiles. Les étoiles. Ça pèse combien? Et pèsera combien? Alléluia. Amen. Ça pèse combien? Kilo na mwezi la combien? Alors toi, t'es caché? Sous un rocher. Ça va écraser les rochers, toi. Et pour écraser les rochers, on a besoin de tout. Pas de blague. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et la colère de l'agneau. Ces gens, c'est moi, les riches, hein? Les gens riches, même les pauvres aussi. Parce qu'il y a des gens, des pauvres qui ne croient pas en Dieu. Qui ne croient pas en Jésus. Rien du tout. Il est pauvre, il n'a rien, mais il ne croit pas en Jésus. Il se vautre dans la boue du péché.
dans l'alcool, dans le tabac, dans le locutisme, dans la prostitution. C'est ça la vie. Tout ça, c'est, il trouve ça du plaisir. Ah, du plaisir. Sauve ton âme aujourd'hui. Ils vont entrer dans le rocher. Ils vont dire au rocher. 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 Cache-moi. Bombangaï. Caverne, cache-moi. Caverne, bombangaï. Alléluia. Amen. Cache-moi la colère de Dieu. Bombangaï, c'est à Kadala. Cache-moi la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Cache-moi. Bombangaï, caverne. Alléluia. Amen. Les riches, les rois de ce monde. Parce qu'en roi, vous les voyez roi. Les riches, les présidents, vous les trouvez juste. Ils sont heureux, non? Vous les enviez, non? Ils sont heureux, les riches sont heureux. Ils sont bien, ils habitent les villas, ils roulent carrosse. Vous les enviez. C'est bien. Sinon, pas acquis ces choses-là de manière juste. C'est véritable pour eux. Alléluia. Sinon, pas donner leur vie à Jésus. Parce que je suis président, que je n'ai pas besoin de Jésus. Vous êtes grand président? Regrettant ce jour-là. Parce que le vrai président, c'est Dieu. Le vrai président. Et en ce jour-là, certains présidents diront: oh, rocher, cache-moi. Rocher, cache-moi de sa colère. Cache-moi de la colère de Dieu. Car son grand jour est arrivé. Qu'est-ce qui se passera ce jour-là? Les montagnes vont se déplacer. Montagne se déplacera. Il quitte, se déplace. Il dit, moi je ne veux pas te cacher. Je te laisse. Devant sa colère. Tu dois subir ça. Tu as déjà vu ça? Tu te caches. Tu es dans la maison. La maison te dit, mais moi je suis rien. Je ne veux pas que la colère de Dieu tombe sur moi. Ça va m'écraser. Même la montagne te dira, tu ne peux pas te cacher sous moi. Parce que une étoile, l'étoile va tomber sur moi. Je serai brisé. Alors les rochers vont se déplacer. À ce moment, tu seras à la merci de Dieu. La colère de Dieu. Les gens, beaucoup de gens seront à la merci de la colère de Dieu. Bien aimé, ne t'en fais pas. Des gens qui se voient importants ce monde. Qui maltraitent les autres. Laissez-les le faire. Un jour, ils subiront la colère de Dieu. Ils subiront la colère de Dieu. Toi qui maltraites les autres. Parce que tu es puissant. Parce que tu es l'oncle. Parce que tu es la tante, tu es ceci, cela. Tu te vois important, tu veux maltraiter les autres. Maltraiter comme des sangs, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Toi qui fais souffrir les gens, qui voles leur bien, tu voles le bien des autres. Tu les maltraites. Tu les fais souffrir. Tu ensorcelles les gens. Continue avec cela. Mais un jour, Dieu t'appellera en jugement. Il t'appellera en jugement. Il te dira, viens, viens. Tu sauras. C'est sérieux, bien aimé. C'est vrai, il faut se convertir maintenant. Il ne faut pas attendre demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Aujourd'hui, c'est pour toi. Parce que tu as la conscience, par ton âme, tu es conscient. Tu es conscient que tu es encore vivant. C'est maintenant ton don. N'attends pas demain. C'est aujourd'hui que tu dois changer. Beaucoup de gens disent, moi je ne sais pas changer, je n'arrive pas. Je n'arrive pas parce que tu ne veux pas. Tu dois combattre pour ta vie. Tu dois dire non au mal. Tu dois dire non au péché. Il faut résister au diable. Résiste, la vie dit résister, il fuira loin de vous. Résister, il fuira. Résiste au mal. Résiste au péché. Et ça fuira. Le diable fuira. C'est ce que nous dit la Bible. Bien aimé. Je crois que vous avez suivi le message de Dieu. Nous avons parlé du 6e verset. Voyez. Il vit les âmes sous l'autel de Dieu. Les âmes sous l'autel de Dieu. Voyez. Quand on les tuera à ce temps-là, ils iront sous l'autel.
L'heure, c'est juste, ça sera sur l'autel. Je ne parle pas aujourd'hui de ces jours des morts parce que j'ai déjà parlé aux amis à maintes reprises de l'histoire de Lazare riche qui étaient tous morts mais qui sont allés au séjour des morts. Qui étaient partis au séjour des morts disaient par deux. Il y avait deux parties. Une autre pour Abraham. L'autre, d'Abraham. Abraham et Lazare, le riche. Les riches étaient de l'autre côté, là où il y avait la souffrance. C'est pas souhaitable de mourir sans connaître le Seigneur Jésus. C'est pas souhaitable, bien-aimé. Un tel message, tu peux faire ta semblant de ne pas l'écouter. Tant pis pour toi. Quand tu le dis, je m'en fous. Moi, ce qui me c'était le monde. Aime le monde. Et les choses qui sont dans ce moment, mais attention. Attention, Jésus revient bientôt. Le jour reviendra. Ceux qui seront prêts seront enlevés. Tandis que toi, tu vas rester. Et tu vas entrer dans la tribulation. Et beaucoup plus quand la grande tribulation viendra, c'est regrettable. Si tu entres dans la grande tribulation, ce sera trop tard pour toi. Ça sera pénible. Tu vas vivre ces choses. Les tremblements de terre. Le monde secoué. Le monde sera plus sur ses bases. Les étoiles vont tomber du ciel. Le soleil ne donnera plus sa clarté. Le soleil deviendra noir. Noir. Et la lune deviendra du sang. Est-ce que c'est souhaitable de passer ces jours ou ces temps-là? Si vous ne voulez pas du Seigneur Jésus, tant pis pour vous. Si tu ne veux pas du Seigneur Jésus, tant pis pour toi. Toi qui me suis. Toi qui me suis à la télé ou à l'église. Votre message vous concerne. Ça vous concerne. C'est important ce message. Je crois que vous avez su le message. Faites très attention. Je peux parler de tous les sauts. Je n'ai pas parlé de tous les sauts. Aujourd'hui, j'ai parlé de ce 5e et 6e verset. Le premier saut, le deuxième, le troisième saut, le quatrième saut. Le quatrième, je crois qu'on avait parlé de ça ici. Plutôt, c'était lorsqu'on a ouvert les sauts. Lorsqu'on a ouvert le livre, je vous en ai parlé. Dimanche dernier. Mais l'ouverture de saut, chaque saut, premier, deuxième saut, troisième, quatrième saut, on verra ça plus tard. Dieu voulant. Mais aujourd'hui, on a vu le cinquième et le sixième saut. Que Dieu vous bénisse au nom de Saint-Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Saint-Jésus. Disons tous merci au Seigneur Jésus. Fermons nos yeux. Et prions le Seigneur, disons merci à Jésus pour la parole. Merci Seigneur Jésus pour ta Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons de la grâce, de l'amour et de ta beauté. Nous te louons pour le message du jour, Seigneur. Tu es bon et merveilleux pour la parole que tu as donnée aujourd'hui. Nous t'en sommes reconnaissants, te rendons grâce pour ton amour, pour la parole, grand Dieu. Au nom de Jésus, sois loué pour ça. Au nom de Christ Jésus. Mon esprit, mon ayo, katabo, mon amour, notre Dieu. La bénédiction, grâce, mes faveurs, ayo, katina, matia, oyo. Bien aimé, toi qui n'es pas encore converti. Yo, on a bon amitié. Qui vit dans le péché. Yo, je vous mets la carte, ma soumou. Qui vit dans le mal. Ozo, on met la carte, ma qui maltraite les autres. Ozo, ni yo, kola, bato. Tu as intérêt à te repentir maintenant. Ozo, a intérêt à vous bon. De dire à Dieu, oh Dieu. Pardonne-moi. Je ne ferai plus cela. Je vais marcher dignement dans ce monde. Je ne vais pas être méchant du côté des méchants. Prions Dieu. Prions bien-aimés. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je lui ai été béni le Tout-Puissant. La Bible dit, le Dieu compatissant, en colère, riche en beauté, et pitié de tes enfants qui se répandent maintenant, Seigneur.
Et pitié-le. Et pitié-le, Seigneur. Pardonne-leur leurs péchés, Seigneur Dieu. Au nom de Christ Jésus. Sanctifie tes enfants, Seigneur. Que le sang de Jésus les sanctifie. Les purifie de toute iniquité, grand Dieu. Que le sang de Jésus puisse les rendre purs. Au nom de Jésus, puisse les rendre plus blancs que la neige, grand Dieu. Au nom de Christ Jésus. Bien-aimé, dans tes combats, dans tes luttes, tu as regardé à Dieu. Oui, Dieu, dis à Dieu, soutiens-moi, Seigneur. Donne-moi la force d'échapper à toutes ces choses. Donne-moi la force d'être vainqueur. De sortir victorieux dans mes combats. Oui, au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'ai besoin de toi, grand Dieu. Amen. Dans ma vie, Seigneur. Soutiens-moi, mon Dieu. Oh, soutiens-moi, Seigneur, afin que je ne chancelle pas, afin que je ne tombe pas, grand Dieu. Soutiens-moi, grand Dieu. Donne-moi la force qui vient de toi. Donne-moi la force qui vient de toi, grand Dieu. Oh, grand Dieu, je vais être toi, mon Dieu. Donne-moi ta force, grand Dieu, afin que je reste debout. Afin que je reste debout. Donne à tes enfants la force de rester debout. Que rien ne vienne les faire tomber. Au nom de Christ Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Tu as digne de gloire, le roi de gloire. Ta grâce, tes faveurs. Merci pour ta parole, notre gloire. Et le bienvenu sur notre chaîne chrétienne. Faites des disciples divins, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, Une heure avec le Saint-Esprit, et l'école des disciples. Faites des disciples divins. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, témoignages, les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV.